Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit et bienvenue. Je suis là-haut sur The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, Eternal Edition, version 1.666. Alors, on va faire un 100%. Je sais pas, j'avais envie de... Puis le chat m'a dit, oh ouais, vas-y. De refaire l'ancien Isaac, mais l'ancien Isaac à 100%. Alors l'ancien Isaac, attention, les graphismes c'est autre chose, la jouabilité c'est autre chose, la difficulté c'est autre chose. Je vais essayer de faire ça un peu, enfin aussi rapidement que... Et la musique qui s'arrête, ah oui, alors les bugs aussi c'est autre chose. Oui mais non, pourquoi ça... Oh. Ah. Non. C'est pas ça. Ah. Oh là. Ah alors attention. Mais non, mais la musique. Et la musique qui boucle pas. Alors oui, il y a plein de bugs. Bon, bref. Eternal Edition, qu'est-ce que c'est? Eternal Edition, c'est l'édition qui est sortie après Afterbirth. C'est-à-dire qu'après Afterbirth, ils ont refait un patch sur le premier Isaac, pour un petit peu encourager les gens à rejouer à l'ancienne version, qui est un patch qui permet d'avoir... officiel, hein, d'avoir pas mal des anciens objets de Rebirth dans le jeu de base d'Isaac, avec quelques transformations, avec des boss en plus, avec plein de petites choses. Bon, je vais essayer de fonctionner à la manette. Alors j'ai mis un Joy 2 Key pour que je puisse jouer à la manette, mais de base le jeu ne se jouait pas à la manette, mais au clavier. Donc on va commencer tout de suite. J'ai effacé la sauvegarde que j'avais dessus. Alors oui, hein, ça, il faut utiliser la souris hein, pour se balader dedans. Donc... zéro challenge, bien sûr, les stats, tout est à zéro, la collection, il n'y a rien qui est découvert, je viens de les delete la save, start, on n'a aucun personnage de débloqué, donc on a le choix que avec Isaac, et on a aussi le hard mode, qui ça aussi est spécial pour le Eternal Edition, bah en avant Guingamp, c'est parti, est-ce que je vais avoir du son, un jour? Ah oui, non mais le son a carrément bugué, ah oui d'accord. Ah bah, on va relancer le jeu. C'est bien ces jeux d'antan qui buguaient pas. Alors, The Binding of Isaac, premier du nom, celui-là, là, a été fait sur... en flash. Putain, mais... Pourquoi j'ai pas de son? Ça va me rendre fou, ça! Pourquoi j'ai pas de son? Ok. Bon, visiblement, il y a un souci. Visiblement, il y a un souci. Est-ce que c'est normal, ça? Il n'y a plus de son. Dès qu'on arrive là, il n'y a plus de son. Et donc si je fais ça, option. Oh putain! Ok, bon c'est bon. Il y avait un bug. Ah, l'Isaac d'ancien, dans l'ancien temps. Oh putain. Alors c'est cru, c'est moche, c'est tout ce que vous voulez. C'est normal. Mais c'est comme ça. Alors attention, voilà. Il va falloir se réhabituer à tout. Mais il n'y avait pas les araignées avant. Ah si, ça... Ah, cette musique. Ah oui, non mais... Ah, mute off. Ah, j'étais en mute on, quel con. Voilà. Oh, on commence avec un petit technologie. Ah. Et ça... D'accord, les tirs se font arrêter. D'accord, ok. Ça va être dur, ça va être long, ça va être compliqué. Excusez-moi, c'est un peu fort. On était rajouté avec Wrath of the Lamb. D'accord, ok. Me dit-on dans l'oreillette. Donc j'ai mis ça. Ah putain. Ah j'ai mal... Ah attendez, j'ai mal bindé mes touches. J'ai mal bindé mes touches sur le Joy 2 Key. Tac. Voilà, c'est bon. C'est rebindé. Voilà, j'avais mis la bombe sur la mauvaise... voilà.
La mauvaise touche. Hop. J'ai mal mindé, Isaac. Oui, c'est ça. Ah là là. Bon, après, avec Joy 2Key, ça marche quand même. Hein. Oh, ces salles-là existaient déjà. Oh, et salle du sacrifice aussi. Non, ça doit être spécial pour ça va être l'édition, ça. Allez, on fait. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Allez, moi j'ai envie de dire, on commence bien. La moule du streamer. J'avais laissé un cœur ici. Alors, je vais faire très attention parce que la version ancienne d'Isaac, Widow, est relativement plus difficile que la version Rebirth. Hein. Surtout, enfin, Afterbirth plutôt, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas mes stats. Mes stats inadmissibles de se faire toucher par ce boss. Oh putain, c'est dur. Oh, il faut tout réapprendre. Ah, puis en plus, ça gère mal les diagonales. Au secours. Je peux déjà râler sur la manette, c'est bien. Ok. Oh, c'était pas évident. Ça me sert à rien du tout, ça. Bon, on va le zapper. J'ai pas besoin de range. Merde, Lucie ! J'aurais dû le prendre. J'aurais dû le prendre parce que j'ai pas débloqué cet objet. Je suis trop con. Bon, de toute façon, on le retrouvera bien plus tard. Alors. Oh, blanc. Ah, on vient d'entendre la coupure musicale. Putain, la vache, il avait masse de vie. Hein. Salaud. Salaud. C'est la première run, du coup, ça va se finir vite. Ah, il y a moyen. Ouais. De toutes les manières, ça va se finir vite, ouais, parce que c'est soit... on s'arrêtera à môme, de toute manière. Alors, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre pour deux raisons. Est-ce qu'il peut se faire un... Je vais pas le prendre pour deux raisons. La première... Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de regarder. La première, c'est que... Oh, yes, enfin. C'est que j'ai pas envie de le prendre. Et la deuxième, c'est que je vais même pas le toucher. Parce que si on zappe deux objets de trésor, on débloque Judas, je crois. Non, c'est pas Judas. Je sais plus c'est quel perso. De mémoire, tout blanc comme ça, c'est la version ultra tanky. Qu'est-ce qu'elle... Pourquoi ils... Ça y est. Qu'est-ce qu'elle... Pourquoi tu fais la tête, Roxane? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est toujours la tête. Qu'est-ce qu'il y a? On joue à Isaac, on est bien. Trollolol. Oh, il faut toucher la bombe pour qu'elle se... Oh putain. Ah ouais, ça c'est méchant, ça, par contre. Putain, il y en a plein des blancs. Ok. Par contre, j'ai pas beaucoup de force. Je vais direct faire le boss, comme ça je vais essayer de... Le rouge à lèvres, tu l'as pas pris. Bah non, ça me sert à rien. Enfin, j'aurais dû le prendre parce que pour débloquer les... Non. J'aurais dû le prendre pour parce que j'ai pas débloqué l'objet. Mais en vrai, ça me sert à rien parce que c'est de la portée. Et j'ai déjà... j'ai technologie. Hein. Donc je me suis dit par réflexe, hein, je prends pas. Ça me sert à rien. Oh, dégueulasse! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette version? Oh putain! Le double plaisir! La double peinée! Et en plus, il t'appelait! Oh mon dieu! Heureusement, il est lent! Oh là là, les deux en même temps! Ah, heureusement, j'ai pas de. De knockback. Par contre, j'espère qu'ils vont pas se prêter. Je vais pas me prendre une boule dans la gueule. Enfin, ils vont mourir. Ah non, il juste. D'accord. Yes. Radioactive Spider. Je prends.
La 8 ball, est-ce que je la prends? Oui, je vais la prendre. Shot speed up. The sun. Voilà, c'était pour ça que je voulais le prendre. Ah, ce petit son. Ça fait longtemps. Oh. Esprit de la nuit. Brother Baby. Bon, alors, Brother Bobby. Lui, il est nul. Mais lui, je vais prendre. Par contre, je vais plus avoir beaucoup de vie après. Ah, mais j'ai un cœur blanc, donc ça pourrait être utile. Allez, je le prends. Esprit de la nuit, je vole. Et j'ai des Spectral Tears. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais juste faire la dernière salle vite fait avant. Voir ce qu'il y a. J'aurais peut-être pas dû. Ah, oh, j'ai pas bind des culs. J'ai oublié de bind des culs. Bind des culs. Je vais le binder tout de suite. Q, on va le mettre là-dessus. Pardon. Q. Voilà. Il n'y a pas un petit... Non. Ouh, bind des Q. Bind des Q, eh oui. Je suis pas à l'aise, là. Je suis pas bien, là. Allez hop. Deux cœurs rouges. C'est pas dingue. Scoo. Hmm. Ah, je vois le boss. Ah, ça me permet de voir... Ouais, je vole. Putain, la version hard, elle déconne pas. Hein. Déjà que le jeu de base est pas accueillant, alors là... Je suis pas à l'aise. Oh oui. Yes. Ça c'est bon ça. D'accord, ok, rien que ça. Mais non. Oh putain, j'étais coincé dans l'embrasure de la porte. Oui, j'ai utilisé le mot embrasure. Embrasure, E-M-B-R-A-S-U-R-E, embrasure. Voilà. Lili, lili, lili. Arrête de courir. Ok. Et ben voilà, du coup là je vais zapper deux items. Et là du coup, à la fin de cet étage là, normalement, je débloque, si j'arrive à le finir... Je débloque Motus. Je débloque le perso. Qu'est-ce que c'est que cette version? C'est affreux! Oh putain, je veux juste la carte. Yes. Je m'en fous de la carte. Oh putain, c'était chaud du cul, hein. Je me souviens pas que c'était aussi dur. Alors le blanc, la version blanche comme ça, ça a été, c'est le hard mode. C'est le hard mode grâce à Eternal machin, Eternal Edition. Putain, au secours. De gaz. Qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers le boss ou je tente? Je vais vers le boss. Meurs. Ok. Putain, les versions blanches, elles sont ouf. Putain, je me disais que j'allais me faire toucher. Ok. Ok. Je vais aller chercher un mic. On la joue safe, hein. On la joue safe et lent. Parce que c'est chaud. C'est chaud de ouf. Elle vous plaît d'ailleurs ma petite scène ou pas?
Je me suis fait chier tout à l'heure pour la faire. Ce jeu, j'ai réussi à buter Mom une fois. Une seule fois. Putain la vache. Ah mais il est dur, hein. Sur l'original de Isaac, il est putain de chaud. Ou pas. Oh, t'es pas sympa. T'aimes pas, c'est vrai? C'est vrai? Pip. Pip. Pip, je l'aime pas. Et pip. Il peut sauter. Oh, il peut sauter beaucoup plus loin que dans la version Rebirth, hein. Oh putain. Et ses tirs sont beaucoup plus rapides. Alors fort heureusement, les trois quarts de ses attaques, je m'en fous un peu. Par contre, le Piper, c'est chiant. Le Plop, là. Ça faut vraiment se mettre à l'autre bout de la salle et faire gaffe à son œil. Hein. Son deuxième là qui va popper. Ah, ah, au secours! Oh, jump, jump! Oh, la concentration! Yes! Oui! Yes, le jus de Jésus. Le Jesus Juice. Jesus Juice. Jesus Juice. Beetlejuice. Jesus Juice. Je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Oh! Ça, c'est cool. Ah merde! Du coup, je prends un dégât. D'accord. Bah, je vais devoir y retourner. Ouais, je croyais que j'allais... Je savais pas si j'allais me prendre un dégât ou pas, s'il y avait encore cette mécanique-là. Bah, tant qu'à faire... Je vais dépenser plutôt une clé, plutôt qu'une bombe. Donc je vais aller là-dedans... Je vais aller prendre un demi-cœur. Tac. Je prends mon cœur blanc, parce que là, je suis assez safe. Je crois qu'il faut que j'atteigne 6 réceptacles de cœur, je crois, pour débloquer aussi Magdalene. De toute façon, avec tous les... Avec tous les grids sur Satan que je fais, je sais pas si je vais y arriver sur cette partie. Hein. Ah. Tiens, on va aller voir le choc. Hey. Ah oui, c'est vrai que le choc... Ah oui, il y a que 3 objets. Il n'y a que 3 objets. Pourtant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de machine de don. Il n'y a que 3 objets. Ah, j'adore cette musique. Putain, je l'avais oublié. J'adore. Jazzy derrière, tellement bien, tellement bien. Ah putain, on retrouve les musiques de Darren, de Danny Barnowski. Ça m'avait manqué, ça. Putain. Ah putain, je suis tellement content. Ok, je suis trop content. Donc du coup, j'ai le cœur blanc, j'ai le réceptacle. Ok, c'est bon, on y va. On se casse de là. Et j'ai enfin un petit peu plus de dommages. Oh, alors, j'ai chopé un point de plus. Alors c'est vrai que. On n'a plus l'affichage des stats ultra précises et tout, on a juste les petites barres nulles là. C'est comme ça que c'était fait avant. Hein. Je joue Animal Crossing. Oh, c'est quoi Animal Crossing? D'accord. Ok. Donc. Ok. Est-ce que je le tente? Ouais, je le tente. Ah, TP. Ok. On retourne là-bas. J'ai envie de m'éloigner du boss d'abord, voir un petit peu tout ce qu'il y a. D'accord. Ochiochiochiochiochio. Putain de merde. Ah, celui qui rebondit en blanc, il est affreux. Hein. Ah, troll bombe. Ok. Est-ce que je pète la... Non, pas tout de suite. Version blanche du chevalier.
Ok. Ah. The Ace of Spades. The Ace of Spades. The Ace of Spades. Pas dingue ça. J'ai pas forcément envie de sacrifier un demi-cœur bleu là. Si je le perds, si je perds mon cœur bleu, je le fais. Sinon, je le fais pas. Petit sacrifice. Ah, t'es... Ah, petit Covid. Elles sont minuscules, les mouches. Tire vers le haut. Allez, vas-y. Arrête de me donner les chais. Et vends-moi autre chose qu'une échelle, quoi, putain. Vends-moi un cœur bleu, c'est mieux. Oh, allez, yes. Bonjour. Ok. L'avantage du... Allez, s'il te plaît. L'avantage des Spectral Tears et du vol. C'était le bon call, en fait. Hein. On a eu beaucoup de cœurs blancs. On a eu deux cœurs blancs sur la route, ça c'est cool. Enfin, deux demi-cœurs blancs. Donc c'était le bon call, en fait, d'avoir fait le... D'avoir fait le... Allez. Merde, putain. D'avoir pris l'esprit de la nuit. Yes. J'espère que je trouverai pas dont j'ai marqué. C'est bon, j'aurai les boules. Je vais m'énerver tout seul. Il y avait ces ennemis là. Non, sérieux, il y avait déjà ces ennemis là. Les petits vers qui... Remarque, c'est une version de Chubb, donc c'est possible. Black Bean, c'est de la merde. Mais je vais le toucher quand même. Panic Farts. Eh bah boss. Oh, Gurdy. Ah oui, par contre, il va peut-être tirer plus vite que la version Rebirth. Ah, légèrement, légèrement. Ah, légèrement, mais assez pour me faire peur, quand même. Hein. Ah, les anciens bruitages. Oula, pas le vert, pas le vert, pas le vert, pas le vert. Yes. Non, tire... Et suicide... Ah! Et suicide Q! Suicide Q! Qui nous raid! Ah! Et qui follow! Merde! Ah putain! Bienvenue suicide Q et merci pour le... Ah! Oh mais c'est pas possible! Oh je suis perturbé! Ça y est, excusez-moi. Je me reprends deux secondes. Je te fais un gros bisou dans deux secondes. Je tente. Ah! Oh. C'était quand même plus agréable de faire un 3 millions de pourcents quand même sur Rebirth que une seule partie sur l'original. Meurs. Ok. Yes, c'est une cul. Bon, ça se dit sus un cul. Ah, sus un cul. Yes, les gros pseudos. Bienvenue sus un cul. Et bienvenue à tes follow. Comment vas-tu? Yes! Ah! Ah! Je partirais bien là pour le coup. Cave 2. Sachant que c'est notre toute première partie, on va s'arrêter à un. Il nous reste deux étages. Est-ce que ce serait pas mal que je chope la Pascal Guppispo et que je sacrifie deux réceptacles, parce que ça nous ferait deux objets de Guppy. Je reprends la tête après, hein. Mais ça nous ferait deux objets de Guppy et pas mal de cœurs.
Go go guppy. Toi, t'as du courage à retourner dessus. Bah ouais, bah déjà, ouais, bah déjà j'avais envie. Déjà, enfin, Isaac me manquait, parce que depuis que j'avais fini le 3 millions de pourcents il y a quelques mois, ça me manquait quand même de jouer à Isaac. Il faut dire que... Eve ! Puis il faut dire que... Ah, ça donne que 2 ! Je crois que je me suis fait enfler dans l'histoire. Mais ouais, j'avais envie de rejouer à Isaac, et puis, puis la difficulté, bordel. Et puis surtout, en fait, là, on joue à une nouvelle édition. Je sais pas si t'es au courant. Si vous êtes au courant. Enfin, ceux qui viennent d'arriver. Mais merci. Je sais pas si vous êtes au courant, ceux qui viennent d'arriver. Sur Su5Q. J'adore ce pseudo. Mais il y a une nouvelle édition, en fait, qui vient de sortir de l'ancien Isaac. Qui s'appelle Eternal Edition. Et qui en fait est sorti après Afterbirth. J'ai découvert ça il y a 2-3 jours. Donc du coup là on est sur un hard mode. Plus hard que jamais quoi. Oh les bonnes musiques. Ah la bite. Ok. Ah il peut être empoisonné lol. Bah moi je savais pas. Du coup, je découvre, en fait. Oh non, mais je le déteste. Et je sais pas pourquoi, du coup, je suis... Oh là, je fais de la merde. Ça y est, je fais de la merde. Est-ce que ce serait pas plus mal que je me dirige direct au boss, là? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Secours. Secours. Non. Oh là là. Oh là oh là, ça y est. C'est la... Ça y est, la fin. C'est plante à faim. Ok, ils abandonnent quand même. Lol. Non, pas lol. Non, calme-toi. On est élite. Eagle Crow. Je le savais, je suis 5Q. Hein? Racing Plus? Qu'est-ce que c'est? Vortex de merdier. Ouais. Ah, oh, Noir Acide! Salut copain! Comment vas-tu? Est-ce que je rush pas le boss direct? Ah. Non. Oh, je suis peut-être tombé sur une salle de merde. Je vais peut-être continuer. Ah, bah attendez. On va chercher le cœur du cœur bleu. Ah, il n'y a pas l'encoche. Give up, lol. Je peux pas me mettre derrière. Oui. Oh, c'est long. C'est ce que c'est lent. Yes. Bah ça va pas mal. Eh, franchement, Isaac, ça avait manqué. Two of Space. Pas mal. Look to la Luna. Ah putain, ça c'est une référence à Mortal Kombat, ça. Les gens. Yes. Oh, allez, je t'en prie, donne-moi du cœur bleu. J'ai terminé mes cinématiques. Oh nice. Vas-y partage. On voit le lien. Je suis pas très à l'aise là. Non. Il m'a pas donné un cœur. Il m'aura pas donné un cœur bleu. Hein. Est-ce qu'il peut au moins dropper du cœur bleu cette machine dans la version originale? Yes, ça marche. Pense à toucher les jeux pour les débloquer. Pense à toucher les items pour les débloquer. Enfin, mais ça, c'est des trinkets. Tu veux dire que les trinkets aussi sont débloqués? Non. Ah, fuck! Les trinkets aussi sont à débloquer? Non. Ça tousse. Ça tousse. Covid. Quoi? Je me suis... Quoi? Je me suis fait toucher par quoi? J'ai rien vu. Ah, j'ai peut-être confondu une de mes mouches avec une de ses mouches.
Oh non, mais t'es sérieux. Ah, mais il faut popper des mouches blancs. J'arrive pas à le toucher. J'arrive pas à le toucher. J'arrive. Mais merde! Oh bah putain, pour un retour en... pour un retour, c'est compliqué. Back to main menu. Bah j'ai quand même débloqué des trucs. 5 secrets. 5 secrets sur 13. Bon, on a débloqué des trucs. Alors surtout, on a débloqué un... On a débloqué un... Un perso. C'est pas mal. Ok. Donc on a débloqué... Pourquoi je suis pas dessus? Pourquoi je... Je peux pas. Ah oui. Ah bah oui, d'accord, ok. On a débloqué Eve. Eve. Mais pourquoi on n'a pas débloqué C'est Samson. End Killing Mom. Ah merde. Il faut que je passe 2 Treasure Rooms et tuer maman. Et j'ai échec. Ok. Bah ça, YouTube, tu verras la suite la prochaine fois. En tout cas, j'espère que t'as kiffé ce retour aux sources. Si c'est le cas, évidemment, tu mets un pouce. Sinon, je te fais un doigt. Je te fais plein de bruit. Je te dis à la prochaine. Ciao. We'll be right back.